Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, monsieur le représentant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, monsieur le représentant du maire, monsieur le représentant du syndicat d'initiative et du tourisme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités. Je voudrais tout d'abord vous remercier, vous qui êtes venus assister à cette exposition. Vous me permettrez également de vous rappeler le cadre dans lequel s'inscrit cette présente manifestation. C'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre d'une première édition de ce qu'on appelle les itinéraires Saint-Louisiennes. Karim, c'est bien ça. Et c'est une exposition qui est l'œuvre de différents artistes venus de différentes régions du Sénégal. C'est des artistes de Thiès, Saint-Louis, Dakar, Louga, c'est un peu l'axe nord, hein, on pourrait parler d'axe nord ici. Mais le but visé, c'est que cette première édition offre un cadre de rencontres et d'échanges entre artistes, mais également un cadre, n'est-ce pas, de connaissances mutuelles. Parce qu'il faut aujourd'hui, à travers les différentes expressions que l'on forge en le cas l'unité nationale, à travers les différentes expressions artistiques. Le programme donc va se dérouler ainsi. Nous allons tout de suite donner la parole à tout honneur, tout seigneur, aux représentants donc des artistes qui va parler. Et ensuite, nous allons donner la parole aux représentants de l'université, le syndicat d'initiative prendra la parole, le représentant du maire et ensuite Monsieur le préfet. Et ensuite, on fera une visite guidée. Les plasticiens vont nous expliquer un peu les œuvres et enfin on va vous inviter à déguster les bonnes choses saint-louisiennes quoi. Voilà donc le représentant bonjour des artistes. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Monsieur le Préfet, Monsieur Moustapha Ndiaye, directeur du Centre culturel, chers artistes. Donc le projet c'est les itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc c'est la première édition. Donc on a initié ce projet pour faire la visibilité des artistes. Parce que souvent à Saint-Louis, c'est ça qui nous manque, c'est de faire des expositions. Donc on a réfléchi comment on peut faire pour s'organiser, de monter une exposition en même temps, montrer notre talent en tant qu'artiste. Parce que vous voyez, aujourd'hui on a découvert beaucoup d'artistes, qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc, et tout à l'heure, j'ai discuté avec des gens qui me disent qu'ils ne savaient pas que ces artistes-là existent à Saint-Louis. Donc, c'est ça qui est l'intérêt de cette exposition, de montrer notre talent, en même temps aussi continuer à faire cet événement. Donc, cette année-ci, c'est la première édition. Donc, c'est un peu dur. Tout le monde sait que quand on débute quelque chose, c'est dur. Donc, il y a beaucoup de difficultés. Mais on avait fait le maximum pour quand même monter cette exposition, pour faire le bonheur des Saint-Louisiens. Et Dieu merci, tout est dans l'ordre, quoi. Donc, comme je peux dire. Donc, je vais donc remercier mes amis artistes qui ont venu des différentes régions, en commençant par Koly Faye. Donc, Koly Faye, il est de Dakar. Donc, il travaille à Dakar. C'est un professeur d'éducation artistique. Il y a aussi Mahmoud Babali. Donc, c'est un artiste. Il travaille au Village des Arts. Donc, il a fait beaucoup d'expositions nationales, internationales. Il y a aussi Ibrahim Nying, qui est là. Donc, il vit en Bargny. Donc, c'est un professeur d'éducation artistique. Il y a Makhtar Koulé aussi. Donc, c'est un artiste de Louga. Donc, Amadou Lamine Sek, artiste saint-louisien. Donc, il travaille en Galel. Donc, et Madame Gassama aussi. Donc, c'est notre artiste, mais elle est un peu cachée. Donc, il faut qu'on. C'est ça qu'on veut, quoi, pour faire sortir les artistes qui ont un peu caché, pour les encourager aussi. Donc, il y a Albouri Fall aussi, artiste peintre aussi. Donc, il y en a d'autres qui ont un empêchement, comme Abdouaziz Ndiaye de Thiès et Cheikh Keïta. Donc, Cheikh Keïta, oui. Il y a aussi, comment dirais-je encore, LH Keïta, oui. Il y a aussi Maïssa Fall, c'est un grand sculpteur métallique. Donc, il vit à Saint-Louis aussi. Donc, c'est eux qui font les sculptures. Il fait de la récupération sur les anciens vélos et motos. Donc, vous voyez ce qu'il fait. Il fait des choses extraordinaires.
Donc voilà quoi, donc grosso modo c'est ça. Donc je n'ai pas l'habitude de parler en public, mais aujourd'hui je vais faire le maximum pour parler quoi. Donc, parce que c'est normal quoi, tout le monde sait que les artistes travaillent beaucoup, donc nous on travaille dans notre atelier. Ok, oui, on parle peu quoi. Ouais. Donc en commençant par M. Babacar Gueye qui est là, qui travaille à l'université de Gaston-Berger, M. Abdoukhader Diallo, auberge de la jeunesse, l'université Gaston-Berger, FH Sénégal, et Cheikh Sadd Boussey aussi, donc mention spéciale à Cheikh Sadd Boussey de Ndar Info, donc qui a fait beaucoup de travail, vraiment, Cheikh Sadd Boussey, oui. Donc Madame Nia de la galerie aussi, il nous a aussi, ouais, M. Jean-Jacques Bancal aussi, donc, il nous a quand même soutenus. Donc vraiment c'est ça quoi. Donc je vous souhaite une bonne visite. Disons mention spéciale nous aussi à notre tour à Abdou Karim Fall pour nous avoir associé à la première édition de cette manifestation, et nous profitons de l'occasion pour lui souhaiter tout simplement longue vie, que l'on revienne plusieurs fois à Saint-Louis pour assister à plusieurs éditions de cette manifestation. Donc nous souhaitons que cette manifestation reste pérenne. Sinon, je trouve que c'est une occasion pour les artistes du Sénégal de se retrouver dans une autre ville. Parce que souvent, on a l'habitude d'assister à des expositions pour la plupart du temps à Dakar. Aujourd'hui, Abdou Karim nous donne l'occasion d'entrer à l'intérieur du pays et de vulgariser dans une certaine mesure ce que nous faisons tous les jours. Donc nous remercions Abdou Karim pour cela et nous l'encourageons. Nous le remercions en dehors de cela de l'hospitalité qui nous a été offerte, et ce qui est une tradition d'ailleurs à Saint-Louis. Et à travers lui, on a revisité encore cette tradition. Et pour cela, nous le remercions encore une fois. Et nous souhaitons en fin de compte bon vent à itinéraire artistique de Saint-Louis. Je vous remercie. Je suis le directeur de la bibliothèque, mais en l'absence de mon ami Félune Sarr, je crois que je peux me hasarder à dire un mot au nom de M. le recteur, comme j'ai eu à le faire par le passé au cours d'événements de ce genre. M. le préfet, M. le responsable du Centre culturel africain, M. le responsable des artistes, chers artistes, je suis très heureux de dire aujourd'hui toute la satisfaction de l'Université Gaston-Berger par le biais de son recteur, le professeur Lamine Gueye, d'être présent avec vous pour continuer cette plage de collaboration qui s'est inscrite depuis que l'université s'est installée à Saint-Louis. Nous avons fait l'effort de participer à tout ce qui bouge au niveau de Saint-Louis. Et de ce point de vue, je crois que les artistes de Saint-Louis ont toujours eu l'accueil donc qu'ils méritent au niveau de Saint-Louis. Nous avons eu au niveau de la bibliothèque universitaire à organiser une exposition donc du représentant des artistes, notre ami Karim. Et réitérer simplement, pour ne pas être long, l'engagement de l'université à accompagner donc la ville de Saint-Louis à travers tous ses démembrements, notamment les producteurs culturels. Et les féliciter d'abord par la richesse de cette exposition que nous avons pu voir très rapidement, qui témoigne de la créativité encore donc du Landerneau Saint-Louisien au-delà de l'Axe Nord, comme a dit tout à l'heure mon ami le responsable du Centre culturel africain, et dire encore que nous sommes fiers d'être avec vous et nous vous témoignons nos remerciements et vous assurons également de notre engagement à continuer à cheminer avec vous, à rendre visible tout ce que vous faites en tant qu'institution universitaire, à vous accompagner donc dans le cadre de la diffusion des œuvres donc créées par les artisans de Saint-Louis. Je vous remercie. Itinéraire artistique de Saint-Louis, mesdames, messieurs les invités, c'est un agréable moment que nous sommes en train de partager, un moment très artistique. Les artistes ne font jamais les choses comme les autres. Voilà la façon dont la cérémonie s'organise. Et c'est véritablement une opportunité pour moi de féliciter et de souhaiter beaucoup de succès au nouveau directeur du Centre culturel africain.
Je pense que c'est la première manifestation qu'il organise, ou en tout cas à laquelle je le trouve dans cette fonction de nouveau directeur. Le Saint-Louisien, il doit diriger le Centre culturel africain. On pense que son magistère, il va le consacrer à faire davantage que les autres pour que le Centre culturel puisse jouer le véritable rôle qu'on attend effectivement de lui. Et c'est l'occasion aussi pour faire un appel pour que tout le monde quand même le soutienne et l'accompagne pour qu'il ait quand même un succès. Ceci étant dit, je voudrais me réjouir de ce que Abdou Karim ait eu cette initiative, n'est-ce pas, de penser à réunir l'ensemble des artistes à Saint-Louis, quelqu'un l'a dit, en dehors de Dakar, pour une manifestation de cette nature. Je voudrais juste regretter, peut-être, qu'on n'ait pas eu à participer à la préparation de l'événement. Ça aurait permis de ne pas, peut-être, constater l'absence du syndicat d'initiative, l'absence des autorités locales, la municipalité. Ça aurait permis également d'impliquer peut-être la Chambre des métiers et d'autres institutions de la place. Je pense que si on devrait reprendre ça, ce que tout le monde souhaite, la deuxième édition, il faudrait qu'on ait une réunion de préparation avec l'implication de tous, les personnes ressources. Je vois avec plaisir Marie-Caroline là-bas, M. Camara, toutes ces personnes, n'est-ce pas, spécialistes dans la matière, qui pourraient apporter leur contribution pour que cet événement réussisse. C'est pour nous un événement extrêmement important. Saint-Louis a été déclaré depuis fort longtemps ville culturelle. Mais nous sommes même plus ambitieux. Nous pensons que Saint-Louis devrait être la capitale mondiale de l'art. Et on devrait y travailler. Je pense que c'est également l'ambition de la municipalité, c'est l'ambition des acteurs qui sont là, et nous avons ce qu'il faut pour ça. Nous avons ce qu'il faut, nous avons des artistes, nous avons des espaces, nous avons une belle ville, nous avons un bon climat, nous avons la Teranga, et nous avons l'inspiration, parce qu'on a ici le fleuve, on a ici la mer, le fleuve et la mer se rejoignent ici. On a beaucoup de sources d'inspiration, et Saint-Louis a toujours été une source d'inspiration pour tous ceux qui ont voulu cogiter. Pour tous ceux qui parlent beaucoup, mais autrement, pour apporter la contradiction à Karim qui dit que les artistes ne parlent pas. Les artistes s'expriment beaucoup, mais s'expriment autrement. C'est nous qui n'avons pas les yeux pour comprendre ou pour entendre ce que les artistes disent. Et c'est l'occasion pour montrer, en tout cas, comment est-ce qu'il faut comprendre le langage des artistes. Parce que quand on fait une exposition, quand on écoute, qu'on explique les tableaux, parfois, vous n'avez pas l'impression que ce tableau-là dit ce que l'artiste dit. Il y a des artistes, à la fin, vous diront, vous comprendrez ce que vous aurez perçu. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai voulu dire. Et voilà une manière véritablement importante de parler, une manière beaucoup plus étendue de parler que nous le faisons. Ma présence ici, comme je l'ai dit, en tant que préfet, c'est une façon de montrer que les autorités restent ouvertes à ce genre d'initiative et restent disposées à s'engager avec vous pour la promotion de l'art. Nous pensons qu'il y a beaucoup à faire, mais nous restons disposés. Nous allons mobiliser également les services qui sont autour de nous pour qu'on ait une deuxième édition, qu'on ait plusieurs éditions de l'itinéraire artistique de Saint-Louis. L'université Gaston Berger a une UFR crack. On attend beaucoup de cette UFR. Je pense que c'est la jonction de l'ensemble de ses forces qui devra faire que ce que Karim et ses amis ont initié puisse un jour être un grand événement. Et on a des espaces pour le faire. Aujourd'hui, c'est ici à la Galerie Tute. Il y a d'autres galeries, mais il y a également d'autres espaces. J'imagine cette exposition à la gouvernance de Saint-Louis. J'imagine cette exposition à l'université. J'imagine cette exposition à la place Federbe, sous d'autres formes organisationnelles. Je l'imagine véritablement un peu partout. Il faudrait que les sponsors, les mécènes, les personnes ressources vraiment appuient. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont appuyé cette exposition, de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont venus, n'est-ce pas, de Louga, de Dakar, etc., de Barnier. Hein? Qui est venu de Barnier?
Voilà, lui, c'est mon parent. Hein. Moi, je viens de Rufisque. J'étais préfet de Rufisque il y a 4 ans. Donc, je remercie tous ceux-là qui, véritablement, vont concourir pour faire de cet événement un événement qui aura un succès. Et je voudrais féliciter, véritablement, Abdou Karim, souhaiter bon vent à Itinéraire artistique de Saint-Louis et donner à tout le monde rendez-vous pour la 2e édition. Mais que tout le monde se prépare et qu'on se promette véritablement une grande fête, une grande mobilisation pour la réussite de cet événement. Je vous remercie et bonne soirée.